الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. À lui reviennent les nombreux bienfaits et les grâces qu'il nous a accordées. Je le remercie pour tout ce qu'il nous a donné. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, lui seul, n'a pas d'associé. Et je témoigne que Muhammad est son esclave et son envoyé. Que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré. Amma ba'd. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله تبارك وتعالى nous apprend dans le Coran honoré de ne pas parler d'un sujet quand on n'a pas de science. Car nous allons rendre des comptes sur notre ouïe, notre vue et notre cœur. فقوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تقل قولا بغير علم فيما ليس فيه رخصة للإنسان أن يقوله بغير مستند شرعي. La parole de Allah indique de ne pas s'engager dans un sujet lorsqu'on n'a pas de connaissance, c'est-à-dire de ne pas dire ce qu'il n'est pas permis de dire, notamment sans avoir d'argument selon la loi. وقد ورد في جامع الترمذي وفي كتاب الصمت للحافظ عبد الله بن محمد أبي بكر القرشي قل خيرا وإلا فاسكت. Il est parvenu dans le Jami' de At-Tirmidhi, tout comme dans le livre de As-Samt, du Hafiz Abdullah, fils de Muhammad, Abu Bakr al-Qurashi, dit du bien ou alors tais-toi. وذلك لأن من أكبر مهالك ابن آدم أن يقول بما لا يعلم أنه جائز فيحلله أو يقول بتحريم شيء لا يعلم له مستندا في شرع الله تعالى. En effet, une des plus grandes causes de perte des humains, c'est de parler sans science. De dire d'une chose sans savoir si elle est licite, dire qu'elle est licite, ou prétendre d'une chose qu'elle est interdite sans avoir de preuve dans la loi de Allah. فالقول بجواز شيء والقول بتحريم شيء إن لم يكن مستندا إلى شرع الله تبارك وتعالى فهو باطل وبال على صاحبه. Dire d'une chose qu'elle est interdite, lorsque ce n'est pas argumenté, lorsque la personne n'a pas de preuve, lorsqu'elle ne s'appuie pas sur la loi de Allah, c'est une parole infondée, c'est une parole qui est source de graves conséquences pour celui qui l'a dit. لذلك استحسن أهل العلم أهل الورع أهل التقوى كلمة لا أدري
فيما لا يعلم الشخص أنه جائز أو أنه غير جائز. C'est pour cela que les gens de science, les gens qui craignent Dieu, les gens qui font preuve de piété, ils ont apprécié, ils ont approuvé la parole « je ne sais pas » lorsque la personne n'a pas de connaissance, lorsqu'elle ne sait pas si ce sujet est permis ou s'il n'est pas permis. وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن شيء فقال لا أدري ما أبردها على الكبد أن أسأل عن شيء لا أعلمه فأقول لا أدري. Il a également été rapporté de Ali ibn Abi Talib que Allah l'agré lorsqu'il a été interrogé un jour qu'il a répondu « Je ne sais pas. Quel grand soulagement pour moi quand je suis interrogé sur quelque chose pour laquelle je ne connais pas de réponse, quel soulagement pour moi de dire « Je ne sais pas. » فَإِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَحَّ عَنْهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ فقال لا أدري. Et il a été authentifié et confirmé que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé à propos de certains sujets et il a répondu qu'il ne savait pas. ثم سأل جبريل عليه السلام فقال لا أدري أسأل رب العزة فسأل الله تعالى فعلمه جواب ذلك السؤال. Le prophète a alors posé cette question à Jibril, qui à son tour lui a répondu qu'il ne savait pas et qu'il allait demander à Dieu. Et il a demandé à Dieu qui lui a appris la réponse à cette question. ثم جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا علمه ربه؟ Et Jibril est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui transmettre la réponse que Dieu lui a donnée. وهذا السؤال كان عن خير البقاع وشر البقاع وفي لفظ عن خير البلاد وشرها. La question portait sur le meilleur des endroits sur terre et le pire des endroits sur terre, et dans une autre version avec le terme « meilleure ville et la pire ». فقال جبريل عليه السلام خير البلاد المساجد وفي لفظ خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق أي من شر البقاع الأسواق. La réponse que Jibril avait donnée est que les meilleurs des endroits sur terre sont les mosquées et les pires endroits sur terre sont les marchés, c'est-à-dire parmi les pires. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لا تكن أول من يدخلها أي الأسواق ولا تكن آخر من يخرج منها فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَيَضَ فِيهَا وَفَرْوَخْ. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné à certains compagnons de ne pas être les premiers à aller au marché et de ne pas être les derniers à les quitter. Car le shaytan, le prophète a assimilé le shaytan à une poule qui a pondu ses œufs et ses œufs ont éclos dans le marché. معنى الحديث أن الشيطان يحب الأسواق لأن فيها يكثر الحلف بالله على الكذب كما يكثر فيها وصف الأمتعة بالكذب. La signification de ce hadith est que le shaytan aime les marchés car au marché, beaucoup jurent par le nom de Dieu, mais mensongèrement.
Et beaucoup décrivent leurs marchandises en faisant des mensonges. وتكثر فيها الخصومات كما يكثر فيها الغش والتدليس. Dans les marchés, il y a beaucoup de disputes et il y a beaucoup de gens qui trompent et qui fraudent. وأما المساجد فكانت هي أحب البقاع إلى الله تعالى لأنها بنيت لعبادة الله تبارك وتعالى. Quant aux mosquées, ce sont les endroits que Allah agrée le plus, car les mosquées ont été construites pour l'adoration de Allah. فكانت الصلاة فيها أفضل من الصلاة في البيوت, أي بالنسبة للفرائض, ليس بالنسبة للنفل. Ainsi, la prière qui est accomplie dans la mosquée est meilleure que la prière accomplie chez soi. Il s'agit bien sûr des prières obligatoires et non pas des prières nafl ou surérogatoires. كما أن المكث في المسجد لمن نوى الاعتكاف فيه ولو مدة يسيرة ساعة أو أقل منها يكون له فيه ثواب الاعتكاف. Également, celui qui reste dans la mosquée, pour quelqu'un qui a mis l'intention de faire l'i'tikaf, c'est-à-dire il reste même une courte période dans la mosquée, il aura la récompense de cet acte d'adoration à l'i'tikaf. لو ظل تلك المدة ساكتا وإن كان يتلو قرآنا أو يسبح أو يمجد الله تعالى بالتهليل أو التكبير أو التحميد كان أعظم أجرا. Même si durant tout ce laps de temps il restait silencieux, mais bien sûr s'il récite du Coran ou s'il fait du tasbih, c'est-à-dire la parole Subhanallah, ou s'il glorifie Allah en disant le tahlil, c'est-à-dire la parole La ilaha illallah, ou le takbir, c'est-à-dire la parole Allahu Akbar, ou le tahmid, c'est-à-dire la parole Alhamdulillah, c'est encore mieux, il aura une plus grande récompense. Thumma inna min ahkam al-masajid tajnibuha an-najasa, faman lawatha buq'atan min al-masjid binajasatin. Parmi les lois relatives aux mosquées également, il y a leur préservation des substances impures, des najasa. Celui qui souille une mosquée par une najasa, une substance impure, il est chargé d'un péché. Parmi les lois relatives aux mosquées, il y a le caractère déconseillé, makrouh, de faire du commerce, de vendre et d'acheter à l'intérieur de la mosquée. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له لا بارك الله لك. Il a été authentifié du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que si nous voyons quelqu'un qui vend dans la mosquée ou cherche à acheter quelque chose, alors dites-lui de ne pas le faire. Amma ma tad'u ad-daruratu ilayhi fala karahata fi dhalik kallazi yahsulu bil masjid al-haram min anna as-saqa'in يدورون على الناس فيسقونهم من الماء من زمزم أو غيره فيعطونهم شيئا من العملة فإن ذلك لا كراهة فيه لأن الحاجة إلى ذلك شديدة. Mais si il y a un besoin pour cela, il n'y a plus de caractère déconseillé. Comme cela se produit dans la mosquée Al-Haram à la Mecque, lorsque les gens, les distributeurs d'eau, distribuent aux gens
leur propose de l'eau de Zamzam ou autre que Zamzam, et qu'en contrepartie les gens leur donnent des pièces, il n'y a pas de caractère déconseillé en cela à cause du besoin. En effet, la chaleur, la forte chaleur, mène la personne à avoir besoin de boire alors qu'elle est sur place. Elle a besoin de boire quelque chose. Cela peut se produire également dans la mosquée du messager à Médine, à la saison des visites, lorsque les gens viennent visiter le prophète. Pareille situation ne comporte pas de caractère déconseillé également. Ceci vaut dans le cas où celui qui distribue l'eau cherche à faire du commerce. Dans ce cas-là, en cas de nécessité et de besoin, il n'y a plus de caractère déconseillé. Mais si de surcroît il ne cherchait pas à vendre, seulement c'était quelque chose de volontaire de sa part, il voulait aider les gens, dans ce cas il s'est encore plus loin du caractère déconseillé. Wa min ahkam al masajid jawaz al mabit fiha lil gharib wa li ghayrihi. Parmi les lois relatives aux mosquées également, il y a le caractère permis d'y dormir, aussi bien pour celui qui ne fait pas partie des habitants du coin que ceux qui font partie des habitants du coin. فقد كان عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. En effet, Abdullah, le fils de Omar ibn al-Khattab, que Allah les agrée tous les deux, dormait dans la mosquée du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et personne ne le blâmait pour cela. كان رضي الله عنه ينام في المحل الذي يصلى فيه فالمبيت في المسجد جائز بلا كراهة للغريب وغيره. Personne ne le blâmait pour cela. Il dormait dans l'endroit où l'on accomplissait la prière. Donc, dormir dans la mosquée est autorisé, c'est quelque chose de permis, sans aucun caractère déconseillé, aussi bien pour celui qui ne fait pas partie des habitants de cette région que ceux qui font partie des habitants de cette région. وأما الحديث في المسجد بحديث الدنيا الذي ليس فيه معصية ليس غيبة لمسلم فيما لا يجوز فيه الاغتياب في الموضع الذي لا يجوز فيه الاغتياب فإن ذلك جائز ولا يذهب شيئا من الثواب. Pour ce qui est de la conversation à l'intérieur de la mosquée, c'est-à-dire de discuter des sujets du bas-monde, quand il n'y a pas de désobéissance dans cette discussion. Il ne s'agit pas d'une médisance d'un musulman quand ce n'est pas autorisé d'en faire la médisance. Eh bien, une telle conversation est permise et elle ne fait pas perdre les récompenses. فقد وضع الكذابون حديثين على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل لهما. Des menteurs ont attribué deux paroles au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, deux paroles qui n'ont aucun fondement. أحدهما الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب
إزالته على من رآه في مسجد من المساجد، فإن ذلك كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. L'une de ces deux paroles, c'est la suivante. Ils prétendent que le prophète aurait dit que parler dans la mosquée, ces paroles consument et dévorent les bonnes actions, tout comme le feu dévore le bois. Cette parole est montée de toutes pièces. Elle est mensongèrement attribuée au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est un devoir de l'éliminer pour celui qui l'a vu dans une mosquée. C'est un mensonge attribué au prophète. ثم معناه فاسد لأن الكلام في المسجد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس بذكر لله تعالى ولا تعليم علم. Le sens de cette parole est faux, car parler dans la mosquée est quelque chose qui s'est produit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est arrivé qu'à l'époque du prophète, les gens en discutaient sans que ce soit une évocation de Dieu ni un enseignement de science. Fafi Sahih al-Bukhari رضي الله عنه أن اثنين من الصحابة كان أحدهما له دين على الآخر فتقاضاه صاحب الدين حتى ارتفعت أصواتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين يا كعب فأشار له إشارة أن يسقط عنه نصف الدين. Dans le Sahih de Al-Bukhari, il est rapporté que deux compagnons étaient dans la mosquée. L'un des deux avait une créance sur l'autre et il a réclamé d'être remboursé. Et leurs voix se sont élevées. C'est alors que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit au créancier par un signe, de diminuer la moitié, c'est-à-dire de ne récupérer que la moitié de la créance. Et ce compagnon, ce créancier, s'appelait Ka'b ibn Malik. الشاهد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما. La moralité dans ce hadith est que le messager صلى الله عليه وسلم ne les a pas blâmés pour avoir discuté de cette affaire à l'intérieur de la mosquée. لم يقل لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تتكلمان في المسجد بأمر من أمور دنياكم كيف تتكلمان بغير ذكر الله بغير تلاوة القرآن. Le messager de Allah صلى الله عليه وسلم n'a pas dit à ses deux compagnons « Pourquoi vous discutez dans la mosquée d'un des sujets du bas-monde ? Pourquoi vous faites autre chose que l'évocation de Dieu ou la récitation du Coran ?» لم يقل لهما كيف تتكلمان بغير ذكر الله بغير تسبيح أو تحميد أو تكبير أو نحو ذلك كمذاكرة في العلم الشرعي. Il ne leur a pas dit « Pourquoi vous faites autre chose qu'évoquer Dieu ? Pourquoi vous avez parlé d'autre chose que de faire du tasbih, du tahmid, du takbir ou ce qui est de cet ordre comme la révision de la science de la loi ?» على جواز الكلام في المسجد بأمور الدنيا وأن ذلك ليس بحرام. À partir de ce hadith qui est sahih, qui est sûr, qui donc est rapporté par Al-Bukhari et d'autres que Al-Bukhari, nous déduisons qu'il est permis de parler dans la mosquée
et de discuter des sujets du bas monde et que cela n'est pas interdit. إنما الحرام ما كان حراما من الكلام في غير المسجد فهذا هو الحرام. Ce qui est interdit, c'est ce qu'il est interdit de dire en dehors de la mosquée. C'est cela qui est interdit. إلا إذا كان هذا الكلام يحصل به تشويش على مصل أو على قارئ. Bien sûr, sauf dans le cas où cette discussion va perturber quelqu'un à côté qui fait la prière ou qui récite du Coran. فإن كان في المسجد تال يتلو القرآن أو مصل حرم التكلم بجانبه بحيث يتشوش القارئ أو المصلي فإن ذلك حرام. Dans le cas où il y a dans la mosquée quelqu'un qui récite le Coran ou quelqu'un qui fait la prière, il est interdit de parler à côté si cela va le perturber, si ses paroles vont perturber celui qui récite le Coran ou celui qui fait la prière. Dans ce cas, c'est interdit. هذا يشمل ما إذا كان الكلام الذي يشوش على المصلي أو القارئ مذاكرة في العلم أو ذكرا أو غير ذلك فإن ذلك حرام. Ceci englobe aussi le fait si ces paroles qui perturbent celui qui fait la prière ou qui récite le Coran, si ces paroles perturbent des gens qui révisent la science de la religion ou qui évoquent Dieu ou ce qui est semblable à cela. Dans tous ces cas-là, c'est interdit de parler de la sorte. فمن دخل المسجد فوجد مصليا أو تاليا يتلو القرآن حرم عليه أن يشوش عليه. Celui qui entre dans une mosquée, s'il trouve quelqu'un qui fait la prière ou quelqu'un qui récite le Coran, il lui est interdit de le déranger. سواء كان بكلام عادي دنيوي أو بتلاوة أو غير ذلك. Il lui est interdit de le déranger, de le perturber, que ce soit par des paroles de conversation commune ou par une récitation ou ce qui est de cet ordre. إن كان يريد تلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على ذلك التالي وبحيث لا يشوش على المصلي. S'il veut réciter, qu'il récite sans déranger, sans perturber l'autre qui est en train de réciter ou l'autre qui est en train de faire la prière. أما إن كان يحصل به تشويش على المصلي أو التالي للقرآن فإن ذلك حرام. Mais si cela provoque une perturbation ou si cela dérange celui qui fait la prière ou celui qui récite le Coran, dans ce cas, c'est interdit. وأما الحديث الثاني الذي هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم في المسجد بكلام الدنيا أحبط الله أعماله أربعين سنة. Pour ce qui est du deuxième, c'est-à-dire de cette parole qui est mensongèrement attribuée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils prétendent que le prophète a dit que celui qui parle dans la mosquée en discutant de sujets du bas-monde, Allah lui annule ses actes de 40 années. هذا أحد الحديثين المكذوبين على الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est là la deuxième parole qui est mensongèrement attribuée au messager صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم
كان يكون في المسجد مع جمع من أصحابه بالليل، فكانوا يتذاكرون ما حصل في الجاهلية، أي قبل دخولهم في الإسلام، من أحوال الناس وأعمالهم، فيضحكون والرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم. Il a été confirmé également que le prophète de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait d'être dans la mosquée avec un groupe de ses compagnons pendant la nuit et ils discutaient ensemble des choses qui étaient arrivées dans la jahiliya, c'est-à-dire avant leur entrée en islam. Ils discutaient de l'état des gens, de ce qu'ils faisaient, et les compagnons riaient et le messager souriait. في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وصححه والحديث الذي قبله دليل على أن الكلام في المسجد بما ليس من الكلام المحرم والضحك ليس بحرام ولا يحبط العمل بل ذلك جائز. De ce hadith qui est صحيح, qui est sûr, qui a été rapporté par At-Tirmidhi, qu'il a jugé sahih, et du deuxième hadith, juste avant, il y a une preuve que les paroles dans la mosquée, discutées à l'intérieur de la mosquée, en disant des paroles qui ne sont pas interdites, également rire dans la mosquée, ce n'est pas quelque chose d'interdit, ce n'est pas quelque chose qui fait perdre les récompenses, c'est quelque chose d'autorisé. واما الكلام المحرم فان حصل في المسجد فيكون افحش منه فيما اذا حصل في خارج المسجد. Pour ce qui est des paroles interdites, si cela se produit, si quelqu'un dit des paroles interdites à l'intérieur de la mosquée, c'est plus grave que s'il les avait dites à l'extérieur de la mosquée. ومن أحكام المساجد أنه يجوز فيها الجلوس محتبيا والجلوس متربعا وكل كيفيات الجلوس فهي جائزة في المسجد. Parmi les jugements relatifs aux mosquées, c'est qu'il est permis de s'y asseoir. Et cette position assise peut être de n'importe quelle manière, que ce soit en tailleur ou autrement. وكذلك الاستلقاء لو مد رجليه إلى جهة القبلة فهو جائز ليس بحرام. Il est également permis de s'allonger dans la mosquée, s'allonger sur le dos, même si l'on tend les pieds en direction de la Qibla, cela est autorisé, ce n'est pas interdit. فيجب زجر الجهال الذين يحرمون مد الرجلين في المسجد إلى جهة القبلة فإن تحريم ذلك فساد وضلال. Il est un devoir d'empêcher les ignorants qui interdisent de tendre les pieds dans la mosquée en direction de la Qibla. Interdire cela est quelque chose qui est de l'égarement. بأي دليل شرعي يحرمون ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. Avec quelle preuve, selon la loi, ose-t-il interdire cela? Il n'est pas rapporté du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam d'interdiction à ce sujet. إنما المنهي عنه مد الرجلين إلى المصحف أو إلى كتاب علم شرعي أو إلى اسم من أسماء الله تعالى هذا المحرم. Ce qui est interdit, c'est de tendre les pieds en direction du Mus'haf, du livre du Coran, celui qui tend ses jambes en direction du Mus'haf ou en direction d'un livre dans lequel il y a de la science, de la religion ou le nom, un des noms de Allah Ta'ala. C'est cela qui est interdit.
إن كان المصحف أو كتاب علم الشرع أو الورقة التي فيها اسم الله غير مرتفعة بأن كان المصحف أو الورقة التي فيها اسم الله أو الكتاب الذي فيه علم شرعي بإزاء الرجل الممدودة فإن ذلك هو الحرام. Si le mushaf ou si ce livre dans lequel il y a de la science de la religion ou cette feuille sur laquelle il y a le nom de Allah, de sorte que ce ne soit pas à une hauteur suffisante, s'il se trouve dans la direction des jambes qui sont tendues, c'est cela qui est un péché. أما إذا كان المصحف مرتفعا محاذاة الرجل الممدودة فإن ذلك ليس بحرام. Mais dans le cas où le livre du Coran, le mushaf, est à une hauteur élevée, de sorte qu'il ne soit pas dans le prolongement des jambes, alors ce n'est pas interdit de tendre les jambes dans ce cas-là. حرمة مد الرجل إلى المصحف ونحوه إن لم يكن المصحف ونحوه في خزانة لا يظهر حجم المصحف منها فإن كان كذلك فمد رجله فليس حراما. Dans le cas où le livre du Coran ou ce qui est de cet ordre était dans une armoire de sorte que l'on ne voit pas le corps du mushaf de l'extérieur de cette armoire et que l'on tende les pieds en direction de cette armoire, ce n'est pas interdit. لو لم يكن موضع المصحف ضمن الخزانة عاليا مرتفعا فذلك جائز. Même si le mushaf à l'intérieur de cette armoire n'était pas à une hauteur élevée, cela reste permis de tendre les pieds en la direction de l'armoire. ثم من أحكام المساجد التي مستحبة تنظيفها وتطيبها أي جعل الطيب فيها بالتبخير بالبخور الطيب كاللبان أو العود الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبخر به. Par ailleurs, parmi les jugements concernant les mosquées, parmi les choses qui sont recommandées, il y a le nettoyage des mosquées et le fait de les parfumer, c'est-à-dire de mettre de l'encens, comme le brûler la gomme arabique, le louban ou le oud, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam utilisait comme encens. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبخر به وكان مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يبخر به. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam l'utilisait comme encens et la mosquée du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam était encensé à grâce à cela. من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى يومنا هذا كل جمعه بلا انقطاع. Depuis l'époque de Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agré, jusqu'à nos jours, chaque vendredi on brûlait cet encens dans la mosquée du prophète. من ذلك العهد من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى هذا الزمن لم يزل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبخر بالعود كل يوم جمعه. Depuis cette époque, l'époque de Omar, que Allah l'agré, jusqu'à nos jours, la mosquée du messager, sallallahu alayhi wa sallam, était parfumée par l'oud, en brûlant l'oud comme encens tous les vendredis. وهذه السنة مفقودة
في كثير من البلاد تركها الناس وعطلوها. Et cette bonne tradition, cette sunna, est malheureusement délaissée dans de nombreux pays. Les gens l'ont abandonnée. فمن أحياها يكون داخلا في حديث ابن ماجه من أحيا سنة أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. Et celui qui revivifie cette belle tradition, il est concerné par le hadith rapporté par Ibn Majah, qui veut dire celui qui revivifie une tradition, une sunna, qui a été arrêtée après moi, il en aura la récompense et une part de la récompense de ceux qui vont la refaire après lui, sans qu'il ne soit diminué quoi que ce soit de leur récompense respective. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.